Eh bien, nous sommes de retour après avoir installé notre Monique Ange dans le petit salon avec un jus frais, n'est-ce pas? Avec de quoi grignoter. Non, je vois les regards. Mais ne me regardez pas, vous aussi, vous aurez de tout à l'heure. C'est ainsi que ça se passe chez nous, n'est-ce pas, Murmurf? Eh bien, nous y allons. On continue avec Kélia, Kélia Jean, qui est une choriste. On dit ça, hein? Oui, c'est ça, une choriste, oui. Attendez, j'ai un mot aussi que j'ai pas... Pupitre, alors voilà, Kélia, c'est quoi votre pupitre? Alors, je fais partie du pupitre des sopranes. Voilà. Ah, une petite voix un peu très fine. Oh, oui. Je sais que ténor, parce qu'un jour, quelqu'un m'avait fait chanter, m'avait dit, toi, tu es ténor. Alors, pour les ténors, on va plus donner ça au pupitre des hommes. Des garçons. Voilà, eh bien, c'est là voilà. Voilà, les hommes. Le ténor. Voilà, ténor ou baryton. Et pour les femmes, ténor, c'est soprane ou alto. Voilà. Je connais un peu les titres, les noms, mais je ne savais pas qu'on disait pupitre. Alors là, on t'est bien caché. C'est donc, je sais quoi ta voix. Sais-tu quoi où est-ce qu'on peut te... Passé. Eh bien, en tout cas, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur ETV, la télé que vous avez choisie, que vous regardez sur la box SFR, mais aussi en replay, www.etv.gp, pour ceux qui n'auront pas le temps de s'asseoir devant leur téléviseur. Nous recevons avec Elia M. Rodrigue Hertin. Là, c'est vraiment bon mon nom, parce que ça fait des années en plus que je connais. Et il est avec nous là pour parler des anciens. Mais juste avant cela, pour parler de cette chorale du cœur, de ce que vous avez connu, Rodrigue, et comment vous sentez les choses aujourd'hui, nous allons continuer avec vous. Kélia, quelle est votre occupation ou vos préoccupations d'aujourd'hui au sein de cette association GCS Family? Alors, premièrement, je fais partie de la chorale des juniors, donc GCS Junior. Oui. Il faudrait savoir que le 20 novembre 2022, nous avons fêté nos 5 ans. Mm-hmm. Voilà, donc ça fait 5 ans que GCS Junior existe. Oui. Et c'est un plaisir de faire partie de ce groupe. De ce petit groupe. Voilà, de ce petit groupe qui est quand même dirigé par Samantha Jean Chobrady. Mm-hmm. Elle est également choriste au sein de GCS. Mm-hmm. Voilà. Et je fais également partie de cette même chorale, GCS. Chorale. Voilà. Donc, c'est une famille. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle la famille, parce qu'il y a ce va-et-vient entre GCS, GCS Junior, mm-hmm. plus certains membres de GCS. Avec les juniors, oui. que certains membres des juniors avec GCS. Avec GCS. Voilà. Alors, si j'ai compris, je comprends mieux plutôt, vous êtes dans mm-hmm. le secteur communication. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors, la communication pour vous, Kélia, passe par quoi? Qu'avez-vous comme outil? Vous écrivez toujours? Vous faites du courrier? Vous... Pourquoi pas? Tant qu'on y est. Voilà, donc ce serait plus au niveau des réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, donc Facebook. Alors, moi qui ne suis pas trop réseaux sociaux, comment je fais pour savoir, pour être à la page, pour savoir ce que vous faites? Eh bien, tapez tout simplement notre nom. Donc, soit Gospel Celebration mm-hmm. Singers. Voilà, mm-hmm. donc ça c'est pour GCS. Mm-hmm. Et nous, de notre côté, ça serait GCS Junior. Bon. Voilà. Alors, les informations que vous avez là, notez-les, parce que moi, je ne pourrais pas vous les redire. Pour savoir ce que propose cette association GCS Family, un groupe de gospel, Carib Voice, eh bien, vous tapez sur les réseaux sociaux GCS Family. Non, vous tapez, on tape sur les réseaux sociaux ça, Gospel Celebration Singers. Mm-hmm. Ça, c'est pour GCS. Entièrement, on est voilà, entièrement. Voilà. Donc, que ce soit pour Facebook et Instagram. Mm-hmm. Et pour les juniors, ça sera GCS Junior. D'accord. Voilà. Alors, vous avez tout compris. Je ne vais pas répéter, sinon je vais vous embrouiller dans la mesure où moi, je ne ferai pas comme ça. Je prendrai mon téléphone parce que j'ai le téléphone. Et j'appellerai Monique Ange ou alors j'appellerai Rodrigue ou j'appellerai Kélia. Allez-y, n'hésitez surtout pas à le faire parce que tout passe par les réseaux aujourd'hui. Même si on boude un peu, moi je boude un peu les réseaux, je vous le dis franchement.
mais allez-y, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir les bonnes informations et quelquefois même payer les places de concert, etc. Effectivement. En ligne. Alors, parlez-nous de ce concert, avant juste avant que je n'attaque Rodrigue. Le concert, donc, comme nous l'a dit Monique Ange, la directrice de GCS Family, se déroulera le 26 novembre 2022 à 19h30 au Palais des Sports Laura Flessel. Il y a un titre, hein, je pense que vous avez appelé cela La Voix des Anges. C'est ça, le titre de ce concert? Il n'y a pas de titre? Donc, La Voix des Anges, c'est quoi? Oui, parce que je vais expliquer cette affiche-là. Oui, effectivement, ben, c'est avec la mairie. Mm-hmm. Voilà. Donc, la mairie de Petitbourg. C'est ça. Ah, très bien. Donc, c'est pour ça que vous avez appelé ça La Voix des Anges. C'est non? Ça. Allez-y. C'est la mairie qui est partenaire de ce concert. Donc, vous avez d'autres partenaires hein, qui sont là. Hein. Je ne peux pas les voir parce que ça est ma Kepiti, mais je vois que vous en avez plein. Et ça qui en gros, on dit IUSCFA, vous avez Radio Vie Meilleure, Talama Campiti en Pavoué, Talama CLC, et là, Talama CEOM. Alors pour les autres partenaires, vous inquiétez pas, la bande sera au sein de l'émission, vous allez pouvoir voir qui est derrière cette belle manifestation aux côtés de cette association. Alors prenez le temps de nous regarder, si vous n'avez pas le temps de le faire, allez sur Internet, regardez, mettez pause, revenez pour voir un peu les partenaires qui les accompagnent. Parce qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans compter, ça nous pavouait en les papiers là. Effectivement, voilà. Je voulais donner une précision concernant la Voix des Anges. Oui. Donc en fait, au niveau de la mairie de Petitbourg, tout le mois de novembre, c'est le mois de la Voix des Anges. D'accord. Donc il y a une collaboration vis-à-vis de plusieurs chorales et nous clôturons, je pense, ce mois avec... Nous commençons plutôt avec GCS, le concert de GCS concert. Family. Très très bien, à la salle Laura Flessel. Donc, du 26 novembre au 27 Allez-y, décembre. Allez-y, on vous entend, dites-moi. Non, dites carrément. Du 26 novembre au 25 décembre. Au 25 décembre. D'accord. Elle est là, je vous ai dit qu'elle a été se restaurer, mais elle n'a pas un petit peu de force. Elle est... voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous, même si on ne vous voit pas, vous allez tout à l'heure. Le mois de la Voix des Anges. Ça réunit tous les... D'accord. Et ça réunit tous les choristes de... toute la chorale de la région. Voilà, c'est super, mais ils ont fait des bombitels, là. Hein. C'est magnifique. Alors, ce concert sera du 26 au, ou alors du 26-26? Le 26. D'accord. D'accord. Et le 27, bien sûr, je pense que c'est écrit. Voilà, il y a une masterclass, voilà, le 27, dès 10h. Dirigée par, bien sûr, l'artiste invité, Jonathan Nelson. Alors, parlez-nous de Jonathan Nelson. Il est où, Rodrigue? Vous le connaissez bien? Oui, je l'ai connu par la voix de CJSS. C'est GCS. Non, GCS. C'est GCS. Non, je l'ai connu sur YouTube. Aussi, connu, ça aussi, mais t'es à YouTube. YouTube. Il est aussi sur Instagram, je précise. Alors, pour ceux qui veulent connaître son parcours, qui veulent savoir qui il est, ils peuvent aller sur YouTube et sur Instagram. C'est et ça. Ils tapent son nom, Jonathan. Jonathan Nelson. Nelson. C'est ça. Google aussi, on tape son nom. Voilà. Effectivement. Non, je ne sais pas si vous voulez qu'on partage l'addition, mais je suis d'accord. Vous pouvez y aller, continuer à les citer et nous enverrons la facture. Donc, il a dit Google, YouTube, Instagram. Hein. Les réseaux sociaux. Non, papa a écouté. Il dit YouTube, Google et Instagram. Jonathan Nelson qui sera donc en concert avec toute cette belle chorale. Et toute son équipe, le 26 novembre 2022 à 19h30, Palais des Sports, Laura Flessel. Donc, pour revenir aux anciens, nous avons cette charmante personne qui représente très bien sa catégorie. Attention, représente très bien sa catégorie, merci. Merci pour tous ceux qui ne sont pas là et que vous avez ici, là. Rodrigue, est-ce que vous en ferez autant? Ah, je ne sais pas, je vais essayer. Non, essayons. Alors, depuis quand êtes-vous là? J'ai fait partie de la chorale, ça fait pas mal d'années, plus de 10 ans quand même. Plus de 10 ans. Avant, anciennement, je chantais dans la chorale, gospel, Chord Singers, la première chorale en avec France. Madame Monique voilà. Ange.
Et avant la chorale, il y avait un petit groupe qui s'appelait Ebenezer. Donc, elle aime bien travailler comme cela, alors, Monique. Voilà. Elle aime bien mettre au sein du groupe, un autre groupe, pour les faire proliférer, pour les faire évoluer. Mais on sent morceau, madame, même. Il va falloir qu'on prenne du temps pour parler avec vous, parce que vous avez tellement... Non, il va falloir qu'on prenne du temps, là. Aujourd'hui, ils ont la chance. Il ne faut pas, laisser ce savoir-là s'endormir, là. Il faut vraiment la suivre une journée, voir ce qu'elle fait, mettre la caméra, parler avec, garder évoluer, parce qu'il y a des gens comme ça, que nous perdons de vue après. Exactement. Et on va dire, ouais, mais tes choses... Non, non. Le travail se fera. J'ai deux personnes à mettre sur mon cahier. Monique Ange serait la deuxième. J'ai eu vent de quelqu'un qui fait des choses extraordinaires avant-hier avec Patrick Nérini. Mais on le fera. Murphy, tu entends, hein? Nous, on y travaille pour nous faire. Mais. Qui c'est qui voudrait rajouter quelque chose? Nous en sommes à combien, Murphy, là? Il ne faut pas qu'on perde notre fil quand même. Eh bien, on a le temps. Alors, qu'est-ce que vous voudriez dire, Rodrigue, par rapport à cette association? Qu'est-ce que je veux dire? Pas de lorsqu'on n'est pas à l'antenne, ou très éloquent. Non, c'est une belle aventure qui est très excitant. Et voilà. Il faut continuer. Et puis, est-ce qu'on peut faire un appel? Est-ce qu'on peut dire aux jeunes, venez? Oui, bien sûr. J'invite tout le monde à venir. Ah oui, bien sûr. Tu vas pas venir. Kélia aussi. Tout le monde à venir. Et puis voilà, ça sera une belle aventure. Comment ça se passe? Ils vont pas regretter. Pour faire partie de cette chorale, on fait comment? On envoie un courrier, il faut être parrainé par quelqu'un. Comment ça se passe? Je pense que... Kélia? Alors, en soi, pour faire partie de cette chorale, il y a des auditions. Mm-hmm. Et on fait en sorte de joindre Monique Angertin Cité. Mm-hmm. Pour faire partie de GCS et pour faire partie de GCS Junior, ce sera Samantha Jean-Chaubradi. Donc, il n'y a pas besoin d'être parrainé par quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut être coopté pour entrer. Dans, non, pas du tout. Donc, ils viennent, ils appellent. Voilà. Alors, pour entrer en contact avec ces personnes responsables du recrutement, si on peut appeler cela ainsi, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Alors, je vous le donne de suite. Pour son téléphone. Monique connaît les par cœur. Elle dit qu'à mon téléphone. Où est le téléphone? 06 90 47 47 40. 08 40. Ça, c'est pour Monique Angertin Cité. Monique Ange. Et pour Samantha Jean-Chaubradi, ce sera 06 90 91 31 95. 91 31 95. Alors, vous avez les deux numéros de téléphone. 06 90 47 08 40 pour Madame Monique Ange et pour Madame Samantha Chaubradi, c'est ça? Chaubradi. Chaubradi, 06 90 91 31 95. Voilà. Et pour toute personne, justement, qui n'a pas eu le temps de noter les numéros, vous pouvez essayer de joindre sur les réseaux sociaux et les personnes de la communication feront remonter plus haut. Voilà, c'est ça, les réseaux sociaux. Allez-y, vous vous souviendrez du nom de l'association, c'est GS. GCS. Non, ça, c'est l'association Caribe Boys 6. Caribe Boys, ah ben, ça nous fait parler d'état à la fin, nous marquer bien, c'est important. C'est ça, alors, l'association Caribe Boys 6. Boys 6. Mm-hmm. Et en fait, c'est GCS et GCS Junior n'existent pas juridiquement, c'est Caribe Boys 6 qui existe. D'accord, quand on cherche l'association, c'est ça. Très très bien, Monique Ange. Nous avons bien compris que là, si vous voulez joindre les deux ou alors chercher les deux en association, il faudrait passer par Caribe Voices. Mais les chorales fonctionnent séparément. Et on a quand même les informations. On peut quand même être dirigé sur, sur la chorale. C'est ça. Alors, cette chorale qui a pratiquement 200 membres, peut-être même plus maintenant, parce que je sais que vous êtes chez vous et que vous avez envie de faire partie de ces voix, eh bien, je peux dire que vous êtes bien plus nombreux. Aussi, voilà, ceux qui ne veulent pas chanter forcément, ils n'ont, et peuvent faire partie. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, c'est ça? C'est ça, eh bien, il faudra... faire partie de la communication, justement. Eh bien, nous allons revoir, parce que je sens que nous allons nous revoir pour parler de tout ce que vous proposez, de tout ce qu'on pourrait faire avec vous, et des partenaires que vous auriez aimé avoir, parce que là, il y en a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Moi, je fais partie du pupitre des ténors. Pupitre des ténors, comme moi alors, ténors.
En plus, voilà. La chansonnette. Voilà. Là, c'est comme ça qu'on chante. Hein. Moi, je chante. Donc voilà, nous avons encore un petit peu de temps. Et je ne veux pas dépasser, sinon il va falloir que vous puissiez me raccompagner encore 15 minutes, machin. Donc, je vais voir, il me reste une minute. Une minute, vous voulez partager. Alors, on rappelle, hein, très important, on rappelle ce rendez-vous. Allez-y, rappelez vos rendez-vous, rappelez le numéro de téléphone, rappelez les tickets, dites où c'est vendu. Je vous laisse la parole. Ok, alors samedi qui vient, donc samedi 26 novembre à la salle Laura Flessel de Petitbourg, nous aurons le concert de GCS Family avec comme artiste invité Jonathan Nelson. N'oubliez pas, vous pouvez venir en famille, en couple ou tout seul, hein, sans problème, que tu sois jeune ou bien plus grand. Voilà, tu peux venir, tu vas t'amuser, festoyer avec nous, chanter avec nous, danser avec nous dès 19h30. Voilà, je laisse Roderick. Voilà, vous pour parler des tickets. Bah, les tickets sont vendus à CLC et sur All Mall. Sur All Mall aussi, et puis voilà. Et sur place aussi. Voilà. All Mall, c'est en ligne. Oui, c'est ça. Ce sera alors, il tape allmall.com, c'est ça? Comment? C'est ça. Oui. Et ensuite, la librairie CLC. C'est ça. Se trouve où la librairie? À Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre. À la librairie CLC à Pointe-à-Pitre. Voilà. Et pour près de l'ancien tribunal, toute information donc serait à prendre au 06 91 24 04 95. Voilà, et n'oubliez pas la masterclass du 27 à 10h qui sera aussi animée par Jonathan Nelson. Par contre, là, les places sont limitées, donc d'où l'importance de prendre adage au téléphone, téléphoner pour avoir des informations. Sinon, le grand rendez-vous de cette semaine, fin de semaine, samedi, fin de semaine de ce mois de novembre, c'est à 19h30, le 26 novembre, à 19h30 au Palais des Sports, Laura Flessel. Les tickets s'envoleront entre 40 sur place et 35 en pré-vente. C'est ça. C'est raisonnable, c'est vraiment raisonnable. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, allez-y, n'hésitez surtout pas à le faire. Allez-y, hein, en concert, avec, en gospel comme ça, en gros groupe comme ça. Non, ça c'est cadeau. Cadeau de fête de fin d'année à l'avance. Merci en tout cas, Kélia. Merci, Rodrigue. Merci, Monique Ange. Merci à cette belle famille de choristes, GCS Family. GCS Family. GCS Family. Donc, merci. Je suis dedans. Mais on peut dire. Voilà. Gospel Celebration Singers. Wow. Je me rappelle quand je les ai reçus pour la première fois, ils ont fait même les sons là, mais ça n'a pas bougé. En tout cas, merci beaucoup, Murphy. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous aurez donc des rediffusions si vous n'avez pas pu voir cette première émission. Je vous embrasse, mes chéris. Et bien, bon vent à cette. Merci à vous. Cette belle journée de samedi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.